YouTube, à l'aide, au secours. On a mis des pièges pour ça. Justement, c'est une très bonne chose d'avoir les pièges. Quelqu'un peut venir vers moi avec une torche? Vite, venez près de la catapulte de Princesse. Princesse, fais quelque chose. T'es où, Princesse? Oui, Anne. Je suis dans le noir. T'es où? C'est bon. D'accord. Après, Abigail, il est bon. C'est bon. C'est bon, il fait jour. Alors, normalement, Abigail peut débuter. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, elle est tout seule. Hein? À l'aide, au secours, ça se bastonne. Attends. La bagarre. En vrai... Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui arrivent en bas. Ça casse des... Ramène tout sur les fantômes. Mais c'est incroyable cette invasion. C'est une pluie. Oh, je me fais voler des planches. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Par contre, s'il y a de la bouffe. Ramène-les vers les pièges. Ouais, c'est ce que je fais là. Oh, la maîtrise est absolue. Faut penser à réinitialiser les pièges. C'est les plaies de l'Egypte. Normalement, c'est les sauterelles. Erreur de conception. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir de la boue. Ah bah ça... Oui. Vite. Prenons. J'espère que les carnivores sont contents. On va mettre ça à cuire. Attention, il y en a une là-haut. Petite saleté. Ça arrive d'en haut, au nord, plein nord. Haut. Redescend. Oui, j'arrive. C'est un quart de vie à maladie. Autant dire qu'on est là. Voilà, le génocide. Ça dure combien de temps? Jusqu'à ce qu'il arrête la pluie. Pardon. Jusqu'à ce que la pluie, tu veux dire la pluie s'arrête? Oui. Ça continue d'arriver par le bas. Ah non, mais c'est l'invasion là. Les pièges ont de la durabilité, c'est ça? Mais t'as vu que vous aviez anticipé l'arrivée de ces grenouilles, hein. C'est parce que c'est l'été, c'est ça? Non, c'est le printemps, justement. C'est un des derniers événements du printemps. Ouais. Je crois que c'est bon. Ah bah, Princesse tuée par une grenouille. Ouais. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt 1 million de grenouilles, mais bon... Comment est-ce qu'on va en Égypte? Il y a les pièges. Ah, je me fais molester! Dégage! Oh, c'est bon, en vie, je suis large. Attends, il y a la fleur d'Abigail, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi elle est tombée de mon inventaire? Parce que les grenouilles, quand elles t'agressent, elles te retirent des trucs de ton inventaire, elles ont la langue qui colle. Ouais. Alors, ça, c'est un peu dangereux. Petite! Ah. Mais c'est très bien que je pensais pas à ça. Ah, c'est titre quand même. C'est bien. Sérieusement, faut que j'y mange. Mais non, ça touchait pas. Oh, la hitbox est... Stop. Stop. En... J'ai un ralenti là. Cours de préparation. Je vais leur piquer une kiffie. La folie me guette. Ça attaque la catapulte. Ouais. Mm-hmm. C'est normal. Mais attendez, putain, il y a encore un nous, on peut aller dessus. C'est le Bronx. Ah ouais, si oui. On a encore... Si c'est pas très loin, ouais, c'est une bonne idée. Venez vite, tous à l'ouest. À l'est. En mormant. Faut arrêter avec les termes comme ça, là. Personne n'y comprend rien à l'est. L'autre droite. D'accord. Ah bah voilà. Là, c'est pro. Là, c'est carré. La droite, mais la droite... Pas du tout, moi, ça s'appelle la droite. Ah, est-ce qu'elle est... C'est laquelle? La parlementaire, là, hors les murs, là... La droite parlementaire, on peut pas aller aussi à droite, mon bon Arthur. C'est pas au nord, c'est vraiment droite-droite, on va tirer l'autre chose. Ah, je crois que nous entrons en phase de what the fuckisme. Ah, mais ça pleut continuellement de la grenouille, en fait. Oui, oui. D'accord, on est sur ce genre de blague. Oui, mais là, oui. Normalement, il doit rester le mousse, il n'a pas des pop. Ah bah, visiblement, il s'est fait la Quelqu'un a de quoi faire un feu, au cas où? Oui, il est en haut. Non, non, il est là, visiblement. Ah, il est plus là, il a des pop. J'ai de quoi faire un feu, si besoin. Les grenouilles ont arrêté de pleuvoir. On peut rentrer au camp, alors. C'est plein de grenouilles, et je vais mourir de faim. T'as faim?
Non, c'est bon. Tout va bien. Non, mais je l'accuse de grenouilles. Il y a quelques grenouilles ici sur le passage. Hein. Je ne veux, veux pas vous angoisser. Par contre, il y a de la bouffe. Ouais, et la bouffe, ça attendra. Princesse, je vais aller te faire cuire quelques petites pâtes de grenouilles. Trop bon. Avec de l'ail et un petit filet de beurre, là, ça va être parfait. Mmh, délicieux. T'as déjà mangé des pâtes de grenouilles quand même, princesse? Ouais. T'as trouvé ça bon? Oui, oui, oui. Bon, ça va alors. Elle est pas anglaise, hein, faut pas dire. Et le triard s'est réveillé bien évidemment. Et l'entière cuite? Bah, moi je les mange crus, mais je sais que les gens préfèrent quand c'est cuit. Excellent. Yes. Bien passé. Alors, mon cadavre. Non, c'était moi qui devais vider mon inventaire. Mais tu peux mettre dans les coffres. Hein. Il y a encore de la place, ça se stack, ça? Ah oui. Oui, ça se stack bien. Et on peut refaire un... Alors c'est vrai, inconvénient de l'attaque des grenouilles, on en prend plein la gueule. Avantage, avantage, c'est qu'on remplit le frigo, ouais. Ça, c'est vrai que c'est bien. On va prendre 100% plus de grenouilles. Alors par contre, pourquoi ma santé morale ne remonte plus? Ça remonte lentement, en fait. Ça en fout combien quand tu fais agresser par les ondes? Proche de zéro quand même. Et tu vois ton écran qui commence à avoir des sortes de veinures rouges autour. Oui. C'est là où ça commence à puer. Je vais rester à côté de ce truc. N'oubliez pas de réparer vos parapluies si... ou l'œil, encore mieux, hein, l'œil à réparer. Il est à 50%. Ça passe. Tu as rendu compte trop tard, peu près. Mais certains d'entre nous n'ont pas de parapluies. N'oubliez pas de vous construire un parapluie. Alors, par contre, pour l'été, le parasol est utile. Si on a peur, enfin, pour ceux qui ont peur d'avoir trop chaud. À noter que l'œil. Cambria, comment ça va ? Utile en été, il protège aussi du soleil. En même temps, faut le tuer. Alors demain, il n'y aura pas de fontaine de jouvent souris parce que j'ai un décalage dans mes lives. Donc demain, ça sera. Il va falloir arrêter avec les feux chauds et commencer à faire des feux froids. Exact. Donc arrêtez de nourrir le feu pour la prochaine nuit. Il faudra forcément faire le endothermique fire pit. Celui-là. Ça peut paraître évident à tout le monde, mais comment on fait un feu froid? Avec du nitre, forcément. Ah oui. Et non, on ne peut pas cuire des choses dedans, malheureusement. Je viens de vérifier. Même pas un sorbet. D'ailleurs, c'est pas une mauvaise idée dans vos trucs de construction pour les lighthouses. Moi, je le fais avec un magnifique accent. Mais vous pouvez vous pré-construire un endothermic fire et un endothermic fire pit. Comme ça, si jamais vous êtes au milieu de nulle part et que vous crevez de chaud, vous pouvez construire votre feu sans avoir besoin de... d'avoir les items sur vous. On a de la peau de cochon et tout ça pour se faire un parapluie. Dans les coffres. Dans les coffres. Ah, du coup, il va nous falloir beaucoup de nitre. Il pleut encore en été, du coup? Il peut encore pleuvoir, mais pas très longtemps. Alors là, pour le coup, les lapins vont ressortir de leur terrier. Faudra en capturer deux pour faire un prestidigitator. Les gens, le temps que je fasse de craft, il va plus pleuvoir. Bah regardez, non, ça sert à rien. 4 lapins vivants. Oui, ça fait partie des machines de science. Ça ne sert à rien. Salut Jean-Pi. Ouais, l'éclairage est étrange. C'est comme pour nous signifier qu'il fait très chaud, c'est ça?
Ouais. Non, c'est surtout pour te signifier que... Ah, quoi que non, toi, ce sera pas le cas. Moi, c'est ma santé mentale qui est très basse. J'ai un deuxième lapin, troisième lapin. Et 2-4. C'est bon. Fait. Alors, vous pouvez aussi noter que les Thermal Stones fonctionnent aussi à l'inverse, c'est-à-dire que si vous les rapprochez, vous les gardez sur vous, même quand vous êtes à côté de l'Endothermic Fire Pit, ça va vous rafraîchir. Putain, vie. T'inquiète, mais garde-les, il y a pas au pire, on trouvera un moyen. Bah, fallait les crafter. Vu que t'en avais, je te les donne. Non. Mais, ah bah non. Oh, le chasseur. Bon. J'ai tout compris. Ah, faut que j'aille rechercher deux. Ah. Deux. Ah, j'ai un lapin tout noir. C'est parce que tu es fou. C'est ta santé mentale qui a baissé, c'est pour ça que tu vois tout bizarrement. D'accord. Oui, donc tout est normal en fait. Anormalement normal, Virion. Mais comment ça se fait que ça a l'essentialité à ça ? J'étais complètement sain d'esprit en me réveillant. C'était la chaleur. Je vais chercher ma pierre. Attention, vous pouvez très facilement mourir de chaud. Hein. C'est... Oui. C'est... Vous voyez que ça commence à chauffer. Essayez de vous mettre sous les arbres. Les arbres... Pierre thermale. Rafraîchissent. Tout petit peu donc. Par contre, elles sont pas sous les pierres thermiques. Il y en a une dans un coffre, j'en ai pris une, il en restait une dehors. Il y en a une dehors que j'ai prise. Et il y en a sans doute qui ont dû disparaître parce que comme elles étaient posées à côté du feu, certaines ont continué à se consumer. C'est pierre de chaleur, hein, y a pas de... Pierre thermale, qu'elle s'appelle. Ah oui, pierre de chaleur, pardon. Voilà, tu peux crafter le bazar. On compte sur toi, Crampman. Il faut un top hat, mais pas de top. Pas top. Ah bah attends, je sais ce que je vais crafter pour aider. Ça va être très compliqué. Les soucis à deviner quelle température il fait. Le thermomètre. Exactement. Salut Jumpy. Voilà Jack. La dernière vue sur une autoroute. Non, oui c'est trop beau. Quoi? T'es où? J'ai pas vu. Tu vois pas qu'il y a un gros thermomètre qui t'indique à quel point on a chaud? Oh la vache! Mais il fait méga chaud! C'est le sud! Ma pierre thermale est en train de... Le problème c'est que je suis partagé entre rester à côté du portique et m'approcher du feu froid. Cisse-toi de l'araignée, ouais, c'est ça. Ouais, je vois flou, là. Ça commence à sentir mauvais. Tu peux chanter, Jack, tu peux le dire. On dirait le sud. Ah, mais là, on est complètement sur le sud, là. Je vais me faire bouffer par les moustiques. Ça, c'est une des caractéristiques de l'été. Non, ça va, sauf si tu vas dans le marais. Il y a moyen pour que tu te fasses pas bouffer. Oh. Regardez les gens. Je suis sauvé. Regarde, princesse, ce que j'ai fait. Regarde, princesse. Ouais. Non, trop beau. Ça me fait de la chaleur. Ça me fait du frais. Viens, je vais te ventiler. Je vais te courir autour. Par contre, je suis obligé de courir à côté, sinon je vais devenir fou. Mais je crois que je suis déjà en train de devenir cinglé. Non, ma santé, il faut que je reste à côté de mon poteau, désolé. Je sais que c'est très drôle à voir, mais il faut. Sinon, je vais devenir fou. Pas de soucis. Est-ce qu'il reste des étoiles d'araignée ou on est à court? Oui, on est un peu à court. On est à court, il va falloir tuer les araignées, super. Ah, bah ça, allez, j'aime bien faire ça, moi. Jack, c'est l'objectif de demain. Ok, on va aller massacrer plein d'araignées. J'ai presque trop froid. Je suis à 5 degrés en section.
C'est un jeu de taré, tu deviens fou tout le temps. Ah oui, puis bon, déjà qu'on arrive à le faire sans le jeu, alors... Il y a des prédispositions. On aurait dû mettre les sœurs beaucoup plus près du feu. Bah techniquement, elles étaient proches du feu, okay. D'un des feux. Alors, question jardinage. Oh, mince. Les araignées, elles sont toujours très grosses, très jaunes, avec elles font des bons. Non, elles sont toutes petites, princesse, toutes petites. Elles ont toujours beaucoup trop de pattes, oui. Le chapeau de paille est pas mal pour cette période de l'année aussi. Oui. Que vous dire de plus, les caves aussi. Si vous, à un moment donné, vous vous sentez mal de la chaleur, les caves sont pas trop mal aussi. Oh, je vais faire ça, moi. Regardez les gens. Avec ça, je vais être bien. Salut Vortex Ritz. Je vais me faire un parasol. Le parasol, c'est efficace? Le parasol, ouais, te garde un tout petit peu. C'est pas la grosse joie, là. Hein. On y va, Jack? Ouais, ma pierre est bien. On y va, c'est parti. Massacre. Faut se manier le cul parce que ma santé mentale va pas me permettre de partir en raid très longtemps. Ramasse des fleurs au passage. C'est ce que je vais faire. C'est bon, ça continue. Par là, les araignées. J'ai oublié de manger. Est-ce que t'as à manger? Vous signez, vous adhérez à la secte ou vous cassez parce que moi j'ai une paix spiritique sur la plage. C'est pas grave, je vais manger des fleurs. Salut, bonsoir. Salut, empereur, merci à toi pour ton 7e mois d'abonnement. Sont là, les araignées? Elles sont plus bas, je crois. Encore au sud et un petit peu à l'ouest. Ok. Comme Jack. Oh. Putain, mais tous les squelettes qui apparaissent ici. On se demande pourquoi. Squelette d'Arthur et princesse, je pense. La tête enfoncée dans le sol comme ça, c'est Arthur, je pense. Bizarrement, il y en a qu'un seul sur lequel j'ai cliqué, c'était un des tiens. Oh, le hasard. La chance du débutant. Oui, c'est ça. Tiens, je vois une lance qui glandouille qui part par ici. Alors. La bonne nouvelle, c'est que si vous en avez marre de manger de la grenouille, on a aussi du lapin. Oh. Ah, On les éloigne. On n'a pas d'habits pour tenter. Oh non, elle rentre. Ça veut dire vous êtes tout nu? Ça arrive, il y en a beaucoup. Au secours! Mais quelle idée de merde! C'est bon, princesse. Mais. Il y a Abby qui tape. Faut aller taper le nid ou pas? Ne vous inquiétez pas. Non, non, laisse le nid, ça va respawn. Ah, d'accord. Il n'y a plus qu'à looter. Allez, je peux prendre ce temps. Okay. L'aider est ton boss là parce que. Mais c'est complètement cheatax ton machin. Tu peux casser le nid d'araignée? Ouais, comme il est niveau 3, on peut le casser, récolter et replanter. Oh, grosse araignée, princesse, fuit. On l'a fait ou on l'a fait pas? On peut essayer de la faire, ça dépend de la... Ah, elle mange les... Elle mange l'étoile. Prenez l'étoile. J'ai trop chaud, je suis en train d'abord. Tu en peux taper trop. On l'a eu. Attention, il y en a des petites. Je vais mourir de la chaleur. Attends, reste là où on est. T'es où, princesse? T'es où? Ah putain, je n'arrive pas à le placer. Pourtant, j'avais fait un chapeau. Bon, je ramène tout ça. Moi aussi, il faut que je reparte. Rafraîchis-toi au petit feu qui a été créé avant. Où ça? Ah oui, d'accord. Viens te rafraîchir au feu. J'arrive. J'ai chaud. Je vais enlever ses habits. Calmez-vous. Du coup. Comment je sais la chaleur? Ah oui, c'est uniquement visuel chez moi, comme j'ai pas mis les modes. Je rends le parasol à celui qui me l'a donné. Ouais, tu peux avoir un indice avec ta thermal stone si tu vois qu'elle devient de couleur normale de pierre. C'est que tu vas commencer à réchauffer très vite. Ah, ok. Tant qu'elle est bleue, c'est. Là, c'est bien, elle est bleue, là. On est d'accord, c'est du bleu. Ouais. J'y vais.
On l'avait vu ensemble. J'ai mon petit ventilateur, regardez ça, je suis parfaitement aéré. Ça rend la vie, les ailes de papillon. J'ai quand même... Eh, les gens, reconnaissez-le, j'ai une super classe. Regardez ça. Attendez, je vous fais un zoom. Les araignées, ne paniquez pas si vous voyez des petits nids, ne les attaquez pas. Faudra les laisser pousser, je les mets un petit peu plus proche. J'ai l'air parfaitement sain d'esprit. Il n'y avait pas d'autres araignées par ici. Je vais crever de faim. Je vais pas mourir de faim. Ah, ils sont morts. Pas comme ça, Zinedine, pas après tout ce que t'as accompli. Il y a un autre nid niveau 3, là. Je vais essayer de l'attaquer. Vite, direction le feu froid. C'est une bonne idée d'en mettre plusieurs à côté. Oh. Oui. Faut que je mange. Il y a dans un des frigos. Merci, monsieur Mann. Oh. Bien joué. Plus peur que de mal. Merci. Okay. Bah, nickel. On a refait le coup. J'ai 14 soies d'araignées, je vais les poser. Ah, pas mal. Hein. J'ai 3 viandes de monstres et j'ai 3 chewing-gums. Mmh. C'est le deuxième. On veut des seringues, Arthur. Y en a une dans un coffre. Non, on va pas les gaspiller vu la fréquence à laquelle on meurt avec Princesse. Je préfère les laisser à ceux qui savent jouer. Et alimenter le petit feu, hein, si vous êtes pas très loin, vous pouvez revenir au petit feu. Moi j'ai alimenté le feu froid au cas où. Les boulettes scrutch, marmiton. Éviter de rentrer à la maison. Ah, faudrait que je fasse un petit feu. Parfait. Jack, les soies, c'est dans le coffre ici là. D'accord. Bah attends, je les ramasse du coup. T'es où toi? Pourquoi tu me dis? Voilà. Impec, c'est fait. Il faut que je me mette près du portique parce que mon personnage est en train de devenir zinzin. Mon personnage, hein. Ah, oh, il arrête pas. Je pense que je suis trop actif, en fait. Ah, le petit fantôme, ça te permettrait pas de refaire ta fleur pour Abigail? Est-ce que c'est un code? Ah, peut-être. Bon, c'est pas une torche, on essaye. J'adore le petit truc qui tourne. J'admets que je suis un peu moyennement fou. D'ailleurs, au passage, quelqu'un avait perdu cette lance. Mon choix. Mais j'ai mes deux lances, moi. Tout va bien. Je lance rien du tout. Pas moi. Bon, bah, je pose celle-là parce qu'elle est moins bien, et voilà. Mais ouais, ok, on peut faire... c'est quoi, toi? Oh. You need to find something you've lost. Princesse, t'es où? À côté. Très cher ami, bonjour. J'espère que très vous allez bien. Ami, nous allons aller nous balader au parc cet après-midi. De thé. Oh bah écoutez, allons chercher la table. Je sais s'il y a besoin de creuser ou si t'as juste l'item qui apparaît, hein, faut le suivre. Ah non, par contre, je deviens fou. Là. Oh, c'est terrible, hein. Cette folie, c'est quelque chose. Où est mon chapeau? Non, c'est bon. Faut pas de l'œil qui est en écran, Jack. J'ai des fleurs, mais j'ai carrément un collier de hippie. Campman, il me semble que oui. La semaine dernière, on m'avait dit que non. Il y en a une, il m'en a lâché une. De quoi? Vas-y, celui-là. Oh gosh. Il va me falloir de l'essence de monstre. Il y en a plein à la maison. Tiens, princesse, je te donne ça au cas où tu deviendrais complètement zinzin. Je te le pose par terre. C'est moi qui l'ai fait moi-même. Oh, merci beaucoup. C'est comme ça. C'est adorable. Ah, il veut qu'on aille par là. Oh, où est-ce qu'il veut aller? Vous me conseillez quoi dans les skills? Là, vaut mieux que tu rases ta barbe vu que c'est l'été, elle te tient chaud. Et comment je fais ça? Avec un rasoir à Buffalo. Évidemment. Là, ici. Ouais, il y a un sifflet. Ah, c'est dommage parce que j'ai développé un skill qui me permet de stocker de la nourriture dans ma barbe. C'est comme dans la réalité, c'est très pratique. Okay. Après, peut-être que le chat pourra t'éclairer. Hein. Je suis pas sûr que la barbe te tienne chaud, mais j'ai un doute.
C'est pas grave, j'ai mon petit ventilateur. Princesse, tu veux qu'on aille chercher des trucs en particulier? Bah, les copains, dites-nous, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? De quoi on a besoin? Alors, on a besoin de continuer à fouiller parce qu'il y a un boss qui va nous embêter si on ne le tue pas pendant l'été, parce qu'il va nous faire provoquer des tremblements de terre. Donc il faut continuer à fouiller, que ce soit de l'autre côté du point d'arrivée, là, du portail. Ok, on va pas explorer là-bas. Il y a plein de pierres et puis ça continue avec un chemin, mais je sais pas ce qu'il y a derrière. Comment on fait le feu froid au cas où? Sur Discord, j'ai cru qu'il dit tremblement de terre. Oui. Alors, il faut de la salpêtre et de l'herbe coupée, Jack. En sachant que si ça arrive dans la base, ah, il faut que tu prennes ce qu'il faut. Tu prends? Parce que je ne sais pas où c'est en fait. Ah si, c'est là. Prototype. De 1 à 10, on est sur quel niveau de merdier? Oui. Alors attends, je lâche Ectopi, je vais retourner crafter ma habille à la... Ah, il y en a là, il y en a ici, là. Dans celui-là. Celui-là, ouais. Ouais, c'est bon. T'as tout? L'item est apparu? Oui. Impec. Il est apparu, en fait. Allons-y. Ah zut. Et là, normalement, faut que tu t'en rapproches, non? Il a... C'est pas normal qu'il disparaisse. Pourquoi j'ai un inventaire poilu à côté de moi? Il a pingué au même moment, il était juste ici. On voit plus. Ah merde, bon bah tant pis. Tu fais pas attention, princesse, mais il me semble qu'il y a un gros arbre à côté de chez nous. D'accord. En même temps, je suis bête, j'aurais pu te casser. Attends, je suis pas avec toi. Mais la réinvente, elle aura au moins eu son niveau. Il faut une pichette. Allez, on va tenter d'aller continuer à visiter. Ok, j'arrive, Jack. Oh, j'entends un bruit bizarre par là. Mais attends-nous. Bah, en fait, je suis obligé d'avancer parce qu'il y a des grenouilles. Ah. Il y en a partout, hein. Super. Ça. Ça. Et une fleur Abigail. On entend le jeu en écho, Nat, pardon. Je pense. Ouais, c'est moi, je me suis trompé, j'ai utilisé la corde mécanique. Je confie. Mmh. Allez. Il était tentant ce dindon. Oui. C'est bon, j'ai officiellement une habille. GG, c'est cool. Nice. Le dindon, il me fait triper. C'est bon, princesse, je te vois. Je vais mourir. Parce que à cause de la chaleur. Mais un feu. Alors, on va jusqu'au warp si tu peux. Je peux pas, il faut 4, 3. Pourquoi je peux pas faire le feu? Il faut être à côté d'un. Il faut du. Ah, il faut du. Ah. Il faut de la science pour faire le feu endothermique, c'est ça? Même oui, le tout petit? Le tout petit, non, je suis pas sûr, mais le grand, bah, oui. Le tout petit, normalement, tu peux. Bah, j'ai pas pu. J'avais tous les ingrédients, mais il y avait le cadenas. Ah, il y a des chiens là? Pourquoi il y a des chiens ici? Ah, peut-être parce que tu l'as donc pas si pris. Si, t'avais besoin de la. Ouais, parce que t'avais besoin de la machine de science. Tiens! C'est où le chien? Là où on est avec Jack. Attends, je vais essayer de t'en prendre un gros. Ah, c'est embêtant ça. Ouais, bah, c'est à côté du feu. Mais c'est quoi, quoi le Spider-Man? Je vous soutiens. Hein. C'est bon, j'ai eu. Ah ouais, ça c'est bien. Ouais. Il a... Attention, il y en a un autre qui arrive. Ah, celui-là il brûle en plus. Ah, au secours. Vite. Vas-y, pète-lui la gueule. Oh merde. J'ai brûlé. J'ai pris feu. Ah, par contre, il fout le feu là. Oh, pour la bouffe. Bébé. Ce qui est bien, c'est qu'il nous a filé une gemme rouge. Oh, je suis en train de décéder. Il me faut un feu froid. Attends, je vais le faire. Approche-toi du portail. Je sais pas où il est. Il est là. Pourquoi toi, tu peux le faire sans... Désolé pour la fracture. Est-ce que je l'ai préparé à l'avance? D'accord. Vas-y. Merci. D'accord. J'alimente ton feu. En fait, quand tu as les items comme le... Les feux et tout ce qui se place en fait sur le terrain, tu peux les construire quand tu as les items. Et en fait, tu annules le placement et ça va te les garder en stockage, en mémoire, je sais pas comment dire. D'accord. Et au mieux d'avoir l'option construire, après tu as juste l'option placer.
Ok. Qui est vachement cool. Ah, on peut rien cuire dans ce feu-là ? Tu peux le reprendre ou... Non. Non, c'est... des... enfin, c'est... Mais c'est de la merde ! C'est un feu froid, tu peux pas cuire. Oui, non, mais c'est de la cuisine moléculaire. Tu n'as jamais entendu parler de ça, toi qui es un homme si distingué ? Alors si, mais je t'avoue que les cours de cuisine, c'était pas mon délire. Ouais, puis la cuisine moléculaire, c'est particulier. C'est de la cuisson à l'azote. Ah oui, c'est liquide. Défiler des boulettes, si tu veux. Ah, merci bien. Nickel. Oh bah, je suis là, là, je suis en pleine forme. T'as réussi à récupérer ton stuff, princesse ? Ouais, tranquille. Ta pierre est bleue ? J'ai pas de pierre. Ah. Ah, c'est ça le problème. C'est ça, j'avais un chapeau. Enfin, j'ai un chapeau de paille. Est-ce que tu veux que je te donne... Tiens, attends, je te donne mon parasol. Je vais garder mon flap-flap. Tiens, prends ça. Il y a moyen d'aller jusqu'aux pierres qui sont encore un peu plus loin, de construire une... une pierre de... de chaleur, enfin, pierre thermale. De revenir ici. Pendant que c'est la nuit, je vais ouvrir, mon chat, je reviens. Ok. Ah, quel dommage pour... J'avais prévu tous les ingrédients et j'ai pas pu le faire. Il fail. J'ai redonné vie à tous les buissons tombés qu'on a. Oh, nice. Yes. Faut-il que je remette du bois ? Je remets. Hein. Et du coup, tu veux qu'on aille où, Malfi ? Ça, on continue plein à droite là ? Ouais, comme ça. Vers le haut ? Vers le haut ou vers le bas ? D'accord. Vers le encore plus loin, vers l'inconnu. Après le petit cimetière. Ah. Petit bâtard. Malfi, t'es en train de devenir zinzin. L'endothermique qui fait baisser la santé mentale. Oui, tu chantes. L'endothermique qui. Allons-y. Il est normal, c'est juste que la nuit, ta santé mentale baisse naturellement. Oh bah, quand je me rapprochais de lui, elle baissait. Je chante encore mieux quand je tape. Ah. J'adore avec mon petit truc qui tourne. Je pense que c'est parce que c'était la nuit et parce qu'en fait t'avais le truc qui remontait. Enfin, t'avais la. Ah, c'était juste du patch en soirée fraîche. Voilà. Bonne soirée, Romakine. Parce qu'il y avait la CERN à côté. Ah, dès que je m'écarte trop de la CERN. Faut-il qu'on pioche des trucs ? Oh, il y a un petit truc là, regardez l'antre. Ouais, je sais pas ce que ça fait. Il y a des... Ça vous permet d'avoir un petit chien de compagnie. Mais il faut lui donner de la nourriture spécifique. Ouais. De la viande de monstre, il aime ? Non. Je sais pas. Ah. C'est tellement mal foutu. Je délimite la zone. Délimite donc. Là, du coup, on explore. C'est quoi ça ? Une bestiole. J'ai une pierre de lune ici. Ça c'est utile plus tard. Ok, bon, je vais relâcher le lapin. Non, je vais le garder pour le manger. Je vais faire ça. Oh, la quantité de pourriture qu'on a. Bon, bah, je peux redonner de la vie à tout le monde. Oh, trop bien. Ouais, tu sais, là, avec Princesse, ça fait plusieurs minutes qu'on est à plus de 20 points de vie. Je pense qu'on est confort. Hein. Ouais. Tu es parti bien loin, Princesse. Je pense que c'est dangereux. Je vous attends. Pour l'instant, il n'y a rien. Oh, il y a des espèces d'œufs. Ah non, c'est de la pierre, pardon. Autant pour moi. Il est 4. Je ne vois plus. Oh. Ah, il y a un arbre ici. C'est intéressant. Tu me diras dès que tu commences à avoir chaud. Princesse, il y a l'arbre qui t'a retrouvé. Il y a qui ? Il y a l'arbre qui t'a retrouvé. Sérieux ? Celui que t'as réveillé à côté de la base, tu sais ? Mais non, il nous a suivis jusqu'ici ? Non, c'est à mon avis, ils se sont téléphonés. Ah, d'accord. C'est Jack qui l'a ramené. Le fameux réseau téléphonique arboricole. Bien sûr. C'est un cul-de-sac, rien d'intéressant. Oh, des araignées. Le root phone system. Pourquoi il y a de la musique bizarre ? Oh oh, on est dans... Ah oui, non, là, ils approchent pas, ces trucs-là. Ouais, ça je me souviens de lui. Il va vite, non ?
Il va plus vite que moi. Il va plus vite que moi. Non, c'est bon. Maman. Ouais, mais de l'or, on en a plein. J'en ai piqué au cochon. Merci beaucoup. Allez se rafraîchir là. Oh, y'a un œuf là, je peux le prendre ou pas? Vaut mieux éviter. Hein. Tu vas te faire poursuivre par le Tollbird, par le truc là. Après, il me course moi là donc. Ouais, tu me l'as refilé. C'est quoi une des fleurs démoniaques? Oh oh, allez, ça a le même effet que les fleurs normales, sauf que ça te baisse la santé mentale à la place. Il me faut. Ça permet de crafter des Nightmare Fuel, mais c'est pas très intéressant vu qu'on a du Nightmare Fuel. Ça y est, on a tout délimité là. Ouais, on peut retourner se rafraîchir au. C'est un cul-de-sac. Aïe. Au spawn. Coup dur pour Guillaume. Mais donc il nous reste. Il derrière me... le marécage. Il me faudrait une fleur. C'est bon, trouvé. Si tu veux, Malphys, on ira le traverser tous les deux. Ouais, ouais, c'est pas le problème pour moi. C'est effectivement d'emmener du monde qui est problématique. Le marécage en lui-même, ça va. Mais derrière, il y a quelques insectes. Il y a des merveilleux du Cthulhu et autres trucs. Tout va bien. Bah, ça va, comme on a les pleines journées, on devrait pas être trop emmerdé par les moustiques. Non, c'est pas les moustiques, c'est les guêpes. Les guêpes. Si tu regardes le biome d'après le marécage, il y a une bonne. Bonsoir, ouvre la bouche que je paie. Agressif. Bienvenue à toi. Abeille agressive. Yep. Et un peu plus loin, si tu regardes ce que j'ai pu découvrir, tu vois les petits lacs de magma. Donc il y a un des côtés où on arrive pile sur des boss assez vénères. Ouais. Effectivement. De l'autre côté, il y a plein d'araignées. Ouais, c'est pas le Club Med. Hein, soit on reste là, soit on essaye d'aller plus loin, mais j'ai peur qu'on soit en plein milieu de la nuit. On a encore une journée. Après, il est 56. Le temps de rentrer à la base, il sera minuit, je pense. C'est logique. En plus, si vous mourrez en route, ça sera plus long. Yep. On va pas mourir en route. Moi, j'ai pas de quoi faire de torche. J'en ai une à 29%. Je pense qu'on est peut-être mieux à attendre ici, non? On arrête ici, alors? Ouais. Après, il reste 3 minutes, hein. Ouais, vaut mieux les attendre pour... Enfin, On attend le jour où on rentre, et puis ça sera... ça sera... histoire qu'on soit à la base. J'ai deux torches, moi, au pire. T'as des torches? Eh bah, soit, allons-y. Go! Ah, mais les parasols, c'est la nique, ça s'use même quand c'est pas équipé. Attendez-moi, je suis à la traîne! Avec ce... le petit. Pas cool ça. On va faire tout noir. J'adore avec son petit jouet pour enfant. Magnifique. Faut pas qu'on tombe sur un truc chelou, quoi. C'est ça l'idée. Genre ça, par exemple. Oh putain, pourquoi faut toujours que tu parles? Tu le sais que t'as des timings. Mais putain, j'en ai plein le cul. Mais c'est ça au moment où tu le dis. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as une espèce de malédiction. Mais j'en ai plein le cul d'avoir toujours raison. Merde. Je suis parti dans le mauvais sens. C'est bon. Ah, j'ai voulu faire le pro en bougeant ma caméra, mais faut pas faire ça. Ah, on se rapproche de chez nous, je vois des cadavres. Oui. C'est bon. Oh, oh. Putain, tu m'as fait flipper. Il me reste 1% sur ma torche. Alors, il me reste 63%, on est large. Pas de clic droit, pas de clic droit, je suis dans la forêt. Large. On est là, les copains. Oh, exceptionnel. Manger. Il y a du manger. Ah, miam, 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 miam. Les blessés. Oui. Sont... Alors, attends.
Faites passer les fixes de. Non, le chat, c'est pas le moment. Fixes de. Oh, puis c'est pas vrai. Merci, c'est un chacun. De drogue. Un ou deux chacun en fonction. Et en fonction de ce que ça vous redonne. Toi et Jack, du coup. Parce que, a priori, il n'y a que toi et Jack qui avaient des soucis de vie. Bah, Jack et moi, on était au minimum, hein. Bah ah, justement, mettez-vous en deux chacun. Vous pouvez voir chacun. Sur mon live, j'ai un inventaire de deux places là sur le côté, mais je sais pas ce que c'est. La barbe. Ah, je mets des trucs dans ma barbe. Ah oui, c'est ça ton garde-manger. Oh putain, c'est génial. Attendez, je peux dire, je peux mettre des petites boulettes d'avance. Oh génial, je me mets deux petites boulettes d'avance dans ma barbe. Jack, je peux les stacker. Les seringues. Oui. Oh non, mais regardez la, regardez la beubare que j'ai. Je peux mettre clair, trois repas là-dedans. On dirait Merlin. Oh, je suis Merlin. Bon, allez, je prends une seringue. Yes. J'ai toute ma vie. Je vais ranger des seringues de drogue. Je suis Merlin. Voilà. Allez, je prends une seringue. Arthur, je mets les piqûres dans le coffre de tout en bas parce que ma vie ça est quasi marche. Pleine. Ça sert à rien que je crame tout. J'étais pas prêt. Oh, le timing est bon. Hein. Ah ouais, la beubar là, elle est terrible. Hein. Oh là là, et attention, je vais vendre des pierres sur le marché avec une barbe comme ça. Oh, le truc de fou, ouais. Bah, YouTube, nous, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça t'a plu. On n'est pas mort trop. Je trouve qu'on a un bon quota, là, sur cette soirée-là. On n'était pas trop mal. Nous voulons un cœur qui grandit. Ah bah, le cœur qui grandit, ça, c'est pas possible. Hein. Y a que la barbe qui grandit. Allez, YouTube, au revoir. Au revoir, YouTube. Au revoir, YouTube. Salut, YouTube.